un événement historique. Ce dimanche 14 janvier, la reine Marguerite II de Danemark a officiellement abdiqué au profit de son fils aîné Frédéric, après 52 ans de règne. L'ancienne monarque avait annoncé son souhait de partir à travers son allocution télévisée traditionnelle le 31 décembre dernier. C'est au palais de Christiansborg, où la foule s'était amassée, que Marguerite II a signé, tout sourire, l'acte d'abdication aux côtés de son fils et de son petit-fils Christian, lors d'un conseil d'État exceptionnel. Avant de quitter la Réunion et de regagner le palais d'Amalienborg en voiture, elle a prononcé des mots poignants. Dieu sauve le roi, a-t-elle déclaré après s'être levée de sa chaise, comme le rapporte le magazine Hello, ce dimanche 14 janvier. Son fils a ensuite pris sa place à la table avant de faire une apparition au balcon du palais de Christiansborg, où il a été déclaré roi, sous le nom de Frédéric X, par la première ministre, Mette Frederiksen, sans toutefois être couronné. Frédéric X proclamé roi, le Danemark en ébullition pour cette journée historique et l'émouvant discours de Frédéric X après avoir été acclamé par l'immense foule devant lui, Frédéric X a prononcé son premier discours en tant que roi depuis le balcon du palais de Christiansborg. Il a commencé en rendant un touchant hommage à sa mère. Elle restera à jamais dans les mémoires comme une régente hors du commun, a-t-il déclaré, rappelant également sa devise qui n'est autre que celle de Marguerite, l'aide de Dieu, l'amour du peuple, la force du Danemark. Le nouveau souverain a aussi évoqué son futur règne, « Mon espoir est de devenir le roi du rassemblement. C'est une tâche attendue toute ma vie. C'est une responsabilité que j'assume avec respect, fierté et grande joie. » Enfin, il a eu une attention pour sa femme bien-aimée et pour leur famille. Ému aux larmes, Frédéric X a ensuite été rejoint par son épouse, Marie, ainsi que leurs quatre enfants, Christian, Isabella, Vincent et Joséphine. Crédit photo, Dana Presse.